moi, dans ma tête, je me disais, ça va pas brûler, voyons donc. Je me suis réveillée. C'était une superbe de belle journée ensoleillée. Le ciel bleu, il faisait chaud, il faisait beau. Je suis partie à l'école en me disant, ah, mais le feu est enfin éteint. Ils ont réussi à prendre le contrôle. Je pouvais pas me tromper plus que... Une des plus importantes évacuations de la population de la ville évacuée. Doubled in size in just a day. En l'espace d'à peu près... peut-être 6 heures, je me suis retrouvée sans abri, sans travail et ben, sans rien. Nous sommes en 2024 à Fort McMurray. L'incendie qui a ravagé la ville n'existe plus depuis 8 ans, mais le traumatisme est encore présent chez ceux qui l'ont vécu. Oh, un de mes triggers. C'est un gros hélicoptère. Hein? Ben, quand je suis à l'école, ça me stresse moins. Mais si je suis à la maison, là, ça me dérange. Là. Il faut que je vais ouvrir ma porte patio, je vais regarder, je vais essayer de voir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, la direction. Est-ce qu'il tourne autour ou est-ce qu'il va juste continuer? Quand on a évacué, je suis arrivée à Edmonton dans ma chambre d'hôtel. Les 3 premières journées, j'ai pleuré sans arrêt. Je ne faisais que pleurer. C'est comme... J'étais complètement incontrôlable. J'étais incapable de m'arrêter de pleurer. Je me souviens avoir dit à ma belle-sœur, « Je comprends pas, Linda, je me sens comme je suis ici de corps, mais ma tête n'est pas ici. Je ne sais pas ce qu'elle est. » Au moment où les feux de forêt deviennent plus fréquents avec le changement climatique, les communautés ne sont pas assez préparées à leurs impacts psychologiques. June 30th of 2021, I had to forgive myself. I wasn't there. Let it go. Patrick Mitchell n'a pas vécu le feu de forêt qui a traumatisé sa famille. Il n'a pas vu les flammes qui ont ravagé sa maison, mais quelque part, c'est peut-être même pire. If I wasn't working, I could have saved my house. My children and my wife would have been traumatized. We had no home and hometown to come back to. We were now climate refugees. You're going through life as an automaton. You don't feel. You get up, you eat, you shower, you do dishes. You don't feel. Quand un feu ravage une ville, la catastrophe fait du bruit. Mais les dégâts invisibles sont parfois les plus difficiles à surmonter. Des fois, on pense que c'est juste des flashbacks ou juste des cauchemars. Et des fois, ça peut regarder comme ça, mais pas toujours. Je me suis mis à vraiment stresser au point que je ne dormais plus. Et là, j'ai commencé à avoir des idées noires et à avoir des idées suicidaires. Je voulais en finir avec la vie. Puis là, je me suis vraiment sentie tomber au fond du baril. Est-ce que rendre à ce point-là, vous en parliez avec les gens d'ici, de ceux qui avaient vécu tout ça, comme est-ce que... Ben, non. 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 Puis mon... Non. On dit que le temps guérit les blessures, mais pour les traumatismes, c'est parfois l'opposé. L'intervention rapide est tellement importante. Si on peut faire quelque chose rapidement, on a moins de chances d'avoir besoin d'une longue thérapie. Mais si on attend 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça c'est quand c'est plus compliqué parce que ça a tout ce temps d'accumulation de stress, de symptômes.
Has depression kicked into my life? Some days I'm sad. I've been to hell and back like everybody else. But when I let something go, I really do. Why? Because I don't want to have yesterday's burdens. So the replacement home that's coming is rather than running, again, is running parallel to the river, is now going to be perpendicular. And then facing to the north will be a... Lytton est encore aujourd'hui vidé, mais Patrick a quand même fait le choix d'y rester. Il s'accroche à ses espoirs de reconstruction sur le territoire de la Première Nation de Lytton. Find your why. If you're alone and you have nobody, so find your why. Quand je suis tombée en congé, maladie, c'est comme j'ai un poids immense qui m'est tombé des épaules. Et là, j'ai pu vraiment dire, OK, là, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur moi. Je pourrais dire que je suis probablement à 95% complètement rétablie de ça. I don't understand Fort McMurray, but I do know that they went through something horrible. People who survived are called survivors for a reason.